Le kick qui fait un kill. Choco, oh là là. Et là, c'est le dernier, c'est parti, il a un HP. Oh, oh mon dieu, ma caca est tombée. Il l'a ou pas? Vous voulez échanger vos skins? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Ça décale, Lidl, on commence CT. C'est le choix de map de Extatic, les gars. Donc, on a peur. Et là, il y a Haji qui est revenu entre les deux cartes. Et donc, on va voir un peu ce qu'on peut proposer sur ce site CT. Avec Joko Lucky. Oh là là, ça arrive là. Ah, ça commence à arriver. On a pris un petit peu des timings au niveau des SK. Oh là là, superbe kill de la part de Joko. Le kick qui se fade dans tous les sens. On est vu. Et là. Le... Il survit, il survit. Il sera tombé. Il se fait cut. 3v3 maintenant. On est regroupé au niveau du BPA. Adjik est revenu. Allez. On a investi la longue en plus. Est-ce qu'on a du contact au niveau de la longue? Adji, la fin, là, il est de retour. Et Maka, très intelligent. Ouf, Adji qui s'est fait calmer de zinzin. Et surtout, Maka qui a bien enfermé la map de l'autre côté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sauf qu'en face, ça s'attend bien pour déclencher. Oh là là, on est vu, c'est fini. Le qui tombe. Le round sera remporté par les Danois. Sauf exploit de Maka. Tapez 1 si Maka met le 1v3. Tapez 2 si Maka se fait cut. Tapez 3 si Maka fait 0 kill. Tapez 5 si Maka est une salope et qu'il save son Kevlar au pistolet. Je vais le fumer, frère. Vas-y là, donne-nous des émotions. Ah, un kill, voilà, chez. Doublé, ninja, ninja. Doublé, triplé. Ouais, doublé, triplé. Non, 2 kills. Voilà, vous êtes où le chat? Vous êtes où le chat? Bande de médisants, frère. Putain, c'est dommage de perdre ce pistolet. Hein, parce que là, on est 5v3. T'as Lucky qui fait pas de kill. Joko mange un petit knife. Oh, par contre, ce qu'il a pris à G, c'était une dance. Super bucket de Nojus. Il a quand même mangé deux. C'est important. Ouais. Surtout que Maka, il est à WAP. Et donc, ça lui fait des petits kills pour avoir de l'avance sur l'économie. Les mecs de 3D Max sont FPL? Oui, bah oui, on est top 30 HLTV, on est en Pro League. Donc t'es automatiquement invité en FPL. Oh. On est en stack B. Et Extatic est en train de prendre le A tout en slow. Et confiant sur Nuke. Les gars, est-ce que vous pouvez dire à Enkins comment est-ce que je ressens Nuke? À peu près. Mettez des emojis pour voir ma réaction. Tout à l'heure, j'ai vu Nuke, j'ai réagi comment? On va voir. Ah, on est bien. Ah, on est bien. Ah, c'est pas mal là. Les emotes sont cohérentes. Plutôt accurate. Ah, Nuke, franchement, je trouve qu'on est dégueulasse dessus. Je trouve qu'on est vraiment pourri, moi, dessus. Notre side CT, je le trouve catastrophique. Notre side terreau, ça va. On arrive à gratter un round par-ci, un round par-là. Mais tu peux avoir un round terreau où tu grattes quand même, un side terreau où tu grattes quelques rounds, mais en CT t'es censé avoir une certaine solidité. Et moi je trouve qu'en CT on est pourri, frère. Que ça joue vraiment qu'à notre individualité. Et s'il y a des mecs... Putain, il a fait quand même 3 kills. Hein. Et s'il y a des mecs qui arrivent entre guillemets à comment dire... faire des exploits en fait. Je trouve que sur notre nuke, elle dépend de ça. Elle dépend de Lucky qui va faire des kills dans l'SK, Exe qui va tenir son inté, Joko qui tient sa rampe, tu vois. C'est en mode soit ça fait les kills, tant mieux, et sinon non. Mais tu peux pas miser là-dessus, quoi. Tu peux pas qu'on est très fort tactiquement. C'est vrai qu'on a win nuke contre 9 Panda.
Et je pense que c'est Nine Panda qui a commencé à se chier dessus surtout. Sur Nuke, on perd des 3v1. 4v1 frère. Contre Magisk, c'était 3v1. 4v1. Oh là 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 là, petite accélération. Mais pourquoi on accélère encore si on est 5v4 frère? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça frère? Mais on est 5v4 et on continue de push. Je comprends pas. Ah, Maka il est derrière là, mais il a envie de tout insulter frère. Adji fait un kill, normalement on doit reculer. Oh là là, contact pour Maka. 1v2. Il en fait un, il en fait pas deux, c'est dommage. Lucky qui va devoir rota, mais Kragen a bien pris ses timings et il est déjà sur le BPA. Oh ouais, non, Lucky va se faire cut là. Oh le zinzin. Bon, quand même, il est aware, ouais, ça va. Il est quand même assez conscient que c'est pu passer partout. La poiste map. Ah, c'est la map de Extatic, hein, c'est vraiment leur meilleure map. Lucky qui se fait en plus mollo, il révélera sa position. Et on va la save. Le call c'est de la save. Oh là là, Joko qui arrivera à prendre un mec. Mais c'est trop. Maka qui en fait un. Oh là là, Maka qui arrivera à survivre alors qu'il a un HP. On est 4v3 maintenant. Oh yo yo, c'est chaud. Pour moi, il doit wapper. C'est un mec très intelligent, il doit juste wapper. Oh putain, le cut. On va le tuer au dernier moment. Ah, Adji est vu. C'est dommage. Ah, il va tomber. C'est vraiment dommage là, Adji. Hein. Faut vraiment qu'il aille sur la gauche et pas à la droite. Je comprends pas pourquoi il reprend pas les toilettes. Et là, ils ont retourné un 4v3 extatique. Ils se retrouvent eux-mêmes en 3v2 maintenant. Aïe aïe aïe, ça fait peur. Ils pensent que l'expérience peut l'aider. Ouais, mais je suis pas fan. Hein. Alors, je me dis que Device est quand même très fort et ça peut être cool qu'il lead et tout ça, mais. Ah, c'est dommage, ça a été un des meilleurs joueurs du monde pendant très longtemps. C'est du gâchis quoi. Oh, on va save. Oh là là, quelle tristesse. Round throw de la part de 3D Max, vraiment. Cassé 2-0. Mais non! C'est beau, putain! C'est beau! C'est incroyable! Donc ils vont au final master? Mais c'est une dinguerie, frère. C'est où? C'est à Madrid, hein, c'est ça? C'est incroyable, les gars. Franchement, félicitations. J'ai pas mis 1€ sur cassé. Je vous le dis, j'aurais pas mis 1€ sur cassé. Jamais de la vie, je m'étais cassé à ce niveau-là. J'ai vu les premiers matchs de play-in, enfin de groupe. Je les ai vus. Très moyen, des rounds chanceux par-ci par-là, tu sais, des rounds monétaires, quoi. Un peu 50-50, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, bah, la game était perdue. C'est passé à chaque fois pour eux, donc tant mieux. Derrière, pendant les 2-3 jours là que j'ai regardé, ils étaient vraiment excellentissimes. Et bah, là, vous m'apprenez la victoire face à Fnatic. J'ai regardé peut-être 8 rounds. J'ai regardé les 8 premiers rounds, il y avait 4-3 sur Pearl ou 3-4 sur Pearl. Et là, vous me dites que ça gagne, donc franchement, GG, parce que je mettais pas 1€. Je vous le dis, je mettais pas du tout 1€. Pour moi, c'était Vitality qui était un peu plus en forme. Ouais, ça fait kiffer. Adji qui en fait un. FZ2. Dommage, il fera pas le troisième, mais il le met très low HP. On est sur un retake 3v3 maintenant. Et il y a Patty qui est extrêmement low HP. On a un retake avec Maka à la WAP. Et ça s'annonce pas de manière positive, je trouve. Parce que retake à la WAP, c'est toujours un exercice compliqué. Joko qui a peur un petit peu de ce qui se passe derrière lui. Mais malheureusement pour lui, il n'y a rien. Le Kiki fait un kill. Joko, oh là là. Et là, c'est le dernier, c'est Patty, il a un HP. Bon. Oh. Oh mon dieu, Maka qui est tombé. Il l'a ou pas? À la seconde, il l'a. Ah oui, on a le kit. Oh non, easy, easy. Putain, j'ai cru que... Oh, c'était chaud. J'ai trop eu peur. Par contre, on tombe 4 armes. On est dans la merde. Là, l'argent, on est vraiment dans la merde. Parce que statique, ils vont continuer de nous faire mal, là.
Ah, ils ont de l'argent à plus savoir qu'en faire, Ecstatic. Ah, pas de zinzin. Ouais, donc celui qui met ce round là, les gars, c'est écho pour l'autre. Oh, les salopes! Ils baillent pas, Ecstatic. Ah, tant mieux pour nous. Alors là, là, c'est grosse erreur d'Ecstatic. Grosse erreur d'Ecstatic pour moi. Là, tu fais tomber 4 armes, t'as la bombe plantée. Faut continuer de forcer. Faut faire mal, mal jusqu'au bout. Là, malheureusement, si on met le round pour eux, on revient 4-3 et on est de retour dans la game, quoi. Alors que là, bon, si on prend l'écho, par contre, c'est finito, je vous le dis. Crimen et Vera, ouais, ils sont core bench, ils sont core bench. Je pense que KC, y a personne qui veut les acheter. Hein. C'est une masse salariale très importante, c'est des transferts qui coûtent beaucoup d'argent. Et donc c'est très très dur de prendre la responsabilité d'aller acheter des mecs comme, comme Nivera ou Scream. Surtout que ça s'est publiquement et en termes de réputation, ça s'est dégradé. Leur code de popularité s'est quand même pas mal dégradé ces derniers, cette dernière année, quoi. Tech9 ça fait bobo. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais on est quand même 3 en A. On a Joko qui est extrêmement bien placé. Oh, Joko! Oh. Pitié. Qu'est-ce que je viens de voir? Waouh, l'horreur du spray de Joko. Oh. Moins 1. On a le kit devant en plus pour exé. On n'a pas de smoke, on n'a rien par contre. Va falloir y aller avec la paire de testicules là. Là, faut sortir les testicules exé. Faut lui envoyer 5 smoke. 5 smoke dans les dents. Oh là 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 là, on prend l'écho. J'ai une question. Joko, il s'est flash team, non? On a vu la même chose ou pas? Joko il s'est flash team. Oh la dinguerie. Ah ouais, Joko il a vendu la feuille de match. Joko il a parié des skins sur Ecstatic là. Il a dit je mets deux Dragon Lore sur Ecstatic. Si demain vous voyez Joko avec des nouveaux gants, c'est qu'on a du match fixing. Ah, la petite flash là. Ah, Joko qui nous fait rêver. Joko il a fait quoi là avec le taser? Oh putain. Ah, ça c'est mon jeu ça. Ça j'adore ça. Lucky en bonne vermine qu'il est. Contact, XM, rose. Ouh putain, par contre Kragen s'est infiltré. Oh là 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 là. Et Kragen peut avoir des gros timings dans le dos. Ah oui, ça le qui. Et on se doute qu'il y a des mecs dans le cul maintenant. Aji qui n'arrivera bien évidemment pas à tomber, c'est beau ça. Exe qui prend des timings. On sait qu'ils sont enfermés. Bien joué le dernier kill et ça tombe. Le force by qui passe pour 3D max. Ce match est horrible. Mais on vit pour les émotions. C'est une catastrophe. Hein. Les deux rounds qu'on vient de voir, c'est dégueulasse sur dégueulasse. Entre Ecstatic qui met Force Tech 9, Flash Team. Là, on voit des tasses, des mecs dans l'under, dans la porte, dans la longue. C'est n'importe quoi. Et là, on est pas trop mal maintenant au niveau de l'économie. Ah ouais, là, c'est des montagnes russes. L'ascenseur émotionnel. Chido, merci pour le sub. Le taser de zinzin. Ouais, le taser qui fait du bien. Et en face, on est en one man army. On a juste une petite AK pour faire des dégâts. Et ils nous ont ressorti le Tech 9 Kevlar. Et cette fois, ils se dirigent vers le B. Et on est toujours pas trop mal. On est encore une fois 3 en B pour réceptionner. Donc c'est le bon setup. On a mis une belle molo. Exe qui bloque, qui flash. On est bien sur les walls. Ça brûle, ça va finir par tomber, mais il est bien épaulé par ses coéquipiers. On vient mollo au niveau de la shore. Ouais, en face, il n'y a plus d'HP en face. Attends, ce qui est en train de se passer là.
Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je vois qu'il y a quand même des gens qui sont morts. La bombe n'est toujours pas amorcée. En face, on a 30 HP quand même. Ça, c'est bien pour nous. Oh là 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 là, petit timing de Joko. Il voit et c'est passé et ça va faire tomber le dernier. Et Exe qui fait une bonne défense là. Il fait une bonne défense, Exe. Merci beaucoup. Normal, la qualité soit pas ouf. Normalement, tu peux faire F5 et t'as la 1080p. Il y a des gens qui sont en 720p, je comprends pas pourquoi. On fait tomber là. Ça y est, on a lâché les chevaux. On joue plus agressif. C'est bizarre la 1080p. Ah ouais, bah c'est peut-être la qualité du flux. Vu que c'est un restream d'un flux, peut-être la qualité elle est pas top. Mais là je suis en 1080p les gars. J'ai fait F5 et j'ai de la 1080p. Ah ok, bah F5 les frères. On est en train d'agresser la short encore une fois. Et pourquoi on conteste là encore une fois? Allez, on s'en va sur le BP, merci. Essayez d'F5 si vous voulez le flux. Sinon abonnez-vous, je crois que c'est parce que ça manque de subs. J'ai le mec de Twitch, il vient de m'envoyer un message. Il m'a dit: Malek, t'es à 1144 subs. À 1150, on te donne la 1080p. On est à 6 subs de la 1080p les gars. Ah, je suis désolé mais je viens de recevoir l'information tout de suite là. Non mais je suis désolé. C'est ça votre problème. Je vous donne une information exclusive que je viens de recevoir tout de suite en express et vous dites, vous remettez en question ma parole. Les gars, on peut pas avancer frère dans une relation chat streamer si la confiance ne règne pas. Là je sens qu'il y a du doute entre vous et moi et ça peut pas, on peut pas avancer. Normalement vous devriez me faire une confiance aveugle. Ouais Joko, j'ai vu il a pris un petit timing. Mais là le problème c'est surtout que c'est en train d'agresser au niveau du A. Et Maka il a une fenêtre de 3 secondes. Ouais, sauf que là ça il est déjà bloqué. Il est déjà bloqué. Ah, dommage. Il arrive pas à attraper le dernier là. Qui repartait. S'il l'attrape là, 3v2, on était bien. On va faire un petit boost. Spawn c'était. Allez, il sait qu'il y en a un truc. Allez, il sait qu'il y en a un truc, il sait qu'il y en a un headshot. Il fait quoi, Exe? Allez, on a eu l'info qu'il était là, donc on n'est pas trop mal. Le key va être important sur cette situation. Ouais, bah malheureusement, le key, il tombe. Et on va save! Aïe, 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 le round qui fait mal, on était 4v3. Et merci à Balti pour les 5 gifts. Hop, on bloque le monster. Aïe aïe aïe, Exe qui tombe. Et Adji qui le bait un peu. Oh yo yo, il fait quoi Adji? Allez, super kill de Adji là. Celui-là il était important. Balti il a le 2K OLED. C'est vrai? Tu sais que j'ai testé l'écran OLED les gars, il est incroyable. J'ai trop envie de m'acheter un écran OLED. Oh putain, kill important là. Oh non, oh non, oui, ça y est. Vous savez où est le dernier? Maka. Oh, oh là là. Oh, oh mon dieu, heureusement on a réussi à voler la bombe. Allez, 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 on peut accélérer. Oh là là. Mais on n'a jamais mis un pistolet de nos vies, frère. Si on met un pistolet, on crève ou quoi? Allez, allez le chercher là derrière le BP. Allez le chercher, allez le chercher, il est tout seul. Putain, il joue trop bien avec la smoke, ce chien de merde. Oh là là, il a trop bien joué, Patty. Il a trop trop bien joué. Oh là 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 là. On n'a pas mis un pistolet. Le téléphone, tu l'as vraiment tous les jours en main. Je fais mes photos avec, mes vidéos, mes stories. J'ai toutes mes applications dessus. Tu vois, c'est un outil de travail aujourd'hui pour moi, le téléphone, donc je le justifie. Moi, demain, il se casse. J'hésite même pas, tu vois. Je vais tout de suite racheter un iPhone. Je vais pas me prendre le Pro Max machin parce que c'est pas mon utilisation. Moi je prends juste le 12, le 13, le 14, le 15 basique.
Je stocke pas les photos, j'ai pas besoin d'une mémoire de zinzin et ce genre de truc. Mais là, les écrans, vraiment, c'est en train de devenir très cher. Je pense que les gens qui achètent des bons téléphones, ils mettent entre 300 et 600, 700 euros. Ce que je trouve cher, mais ça se justifie, tu vois, quand tu mets autant d'argent. Mac A1 V2, fais-nous rêver, mon frère. Parce que les téléphones, on les change pas tous les ans, tu vois. Aïe, 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 ça passe pas. Quand t'as assis, ça cassé. Manu, t'as levé ton slip ou pas? Comment ça, frère? Ah, vraiment, jamais j'aurais pu croire que cassé, ils arrachent Fnatic, ils arrachent Heretic, Skoy, Liquid, Navi. Frère, ils ont défoncé tout le monde. Ils ont vraiment défoncé tout le monde. Les gars, c'est rien, on joue pour le divertissement. Là, moi, déjà, je suis sur Nuke, moi. Puma Exe, là, il est tout seul. Joko, il est tout seul. Enfin, c'est... Maka, il arrive 10 minutes après AG sur la short. C'est caca là comment on joue. Et franchement, ça fait plaisir parce que ce mec est 30 piges, gros. Il va sur les 32. Il est là, il se qualifie un major et tout. C'est vraiment un rêve de zinzin, gros. Liquid top 27. Ah, c'est normal, c'est parce que les points ils se réinitialisent. Vu qu'ils ont fait des changements de roster, tu perds tous les points. Ouh, 3D Max qui met ce round. On est de retour in the pocket. Donc tu prends une cote de popularité, tu négocies un plus gros salaire. Allez, là on les ouvre en deux, on va chercher le 11-9 et on les met en écho là, ces petites merdes. Voilà, y'a tout qui tombe, c'est pas mal. 5v3 maintenant. Let's go, baby. Et allez, on retourne save. Ah bah bon rétablissement monsieur Twixno. Bon rétablissement, bonne convalescence. J'espère que tu vas être de retour très vite sur le PC. Oh là là, super kill. Exe. Et là ça s'active dans la smoke. On d'arrache aussi. 11-10 les gars, on est revenu. C'est le money time. On est en train de faire très mal avec Static là. Psychologiquement je pense que là ça leur fait très mal. Ouais, c'est parce qu'il y a des conditions. Tu sais, ils peuvent pas t'obliger à avoir des conditions. En mode t'es en VCT, ouais, tu dois mettre tant de salaire. Allez, moins 1, moins 2, super exé. Il s'est fait reprendre, il s'est fait reprendre. Faut le tuer, le mec qui a passé truck. Faut le tuer. Allez, on sait qu'on est deux. Non, il est à gauche, exé, il est à gauche. Allez, super, ça a 2v1. On sait que le mec est dans le cul. Il reste 4 secondes, la bombe est amorcée. Ça passe. Maka qui va tenir la ligne au niveau des toilettes maintenant. Et il fait le kill. 11-11, on est de retour, mon gars. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand tu galères pas, t'as signé Intel pour 200k l'année, t'es en bénéfice, tu peux te payer des transferts, tu peux augmenter la masse salariale des joueurs. Tu vois, mais c'est le minimum. T'as du merchandising, t'as du truc, t'as du machin. Mais voilà, je t'ai donné les grandes lignes, tu vois, je t'ai donné un peu la grande ligne. Donc c'est pour ça que vraiment, rien que là maintenant, Valorant, malgré son jeune âge, malgré vraiment le jeune âge de Valo, putain les gars, on a fait un comeback de zinzin. Malgré le jeune âge de Valo, c'est quand même très mature. C'est quand même très très mature au niveau de l'écosystème, c'est quand même très très stable et tout. Mais on parle des VCT. Le truc c'est qu'en dessous, c'est de la merde. Voilà, faut être honnête. La VRL France, il y a une précarité monstre sur les Challenger France. Tu vois, avec 3D Max, bah nous on n'a pas eu de soutien pendant 2 ans. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. On en est là, frère. Oh là là, le flash pick, 5v4. Là, on est bien. On en est là, on n'en est pas à... Nous, on n'a pas de sponsor avec 3D, on vend pas de merch, enfin, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a aucune rentrée d'argent. Pourquoi 3D Max n'a pas de sponsor? On a des offres, mais c'est des offres ridicules, quoi. Attends, qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi on est 3v4? Accélère un peu en A. Oh là là, Maka qui fait le kill trop important. Et la longue, faut pas être naïf de la longue. Oui, on n'est pas naïf. Allez, ça ciao. 13-11, 13-10, 2-0, merci, au revoir. Et avec un coach en plus.